Hello, alors je vous retrouve dans un nouveau vlog. Greg termine, bon, il arrive, il venait de fermer la maison et on est parti. Ça y est, j'ai pas vlogué le début de journée parce qu'en fait il y avait tellement de choses à préparer, à faire. Quand on part comme ça, même si c'est qu'une nuit, c'est la mission. Donc du coup j'ai le chien, on va le déposer avec le bébé Gabin. On va les déposer chez mes parents, on les récupérera demain, voilà. Et Greg ne sait toujours pas où il va en fait. Depuis tout à l'heure, il essaye de me faire parler. Je demande juste où c'est le temps. Bah, je t'ai dit combien de temps. Il y a une petite heure de route. Bon, on est arrivé chez papy, mamie. Ça y est. Ouais, avec papy. Du coup, le chien aussi, on les récupère demain. À demain, bébé. À demain. J'ai mis son sandwich dans sa niche. GPS et la ville, c'est à Beaumetz-les-Serres, donc je connaissais pas du tout, c'est à 50 minutes de chez nous, donc c'est près de quoi, je t'ai dit, Saint-Paul, sur Ternoise, j'ai vu je crois des R sur la liste, tout ça, donc voilà. Et puis à Beaumet machin. Bon, je crois que j'ai pas de bol avec mes surprises, il fallait s'en douter, on trouve pas, on est dans la rue, le GPS, ah peut-être là regagner un truc. C'est une pub. On est arrivé dans une rue mais il n'y a rien. Oh non. J'espère que ça va pas tomber à l'eau. Bon, c'est bon, on a trouvé. C'était le dernier. En fait on est arrivé de l'autre côté de la rue et la rue était hyper longue. C'est une ferme en fait. Ça a l'air d'être, je sais pas, mais c'est vraiment, c'est les champs à côté. C'est bah vas-y, gare-toi hein. Je pense qu'on peut se garer là. Bon, alors on est bien arrivé. Du coup je pourrais pas vraiment vous filmer le devant parce que là il fait hyper noir, mais du coup bah, je vous filmerai demain en sortant la devanture. Donc c'est l'institut qui s'appelle Sensoriel à Beaumetz-les-Serres, je pense que ça se prononce comme ça. Et alors, il est déjà fatigué. Donc là on s'en va faire un massage. T'es sérieux là? C'est vrai? Ah oui? J'aime pas ça moi. Et ensuite ils ont un genre de suite qui fait 130 mètres carrés avec jacuzzi, etc. Bah, c'est une chambre. Donc on est invité à passer la nuit. Ça y est, on est arrivé dans notre petit cocon pour ce soir. Alors franchement, je suis choquée quoi. Je m'attendais à rien en fait parce que je savais pas du tout. J'avais pas vraiment vu de photos, etc. Ils avaient juste marqué une chambre de 130 mètres carrés. Donc je vais vous faire la visite du lieu. C'est juste magnifique. Franchement, on est émerveillé de l'endroit. Donc quand on rentre, déjà ils nous ont préparé des petites pétales de rose comme ça partout. En gros, ça fait comme un studio quoi, vraiment. On a notre cuisine avec la table prête. C'est juste canon quoi, j'adore. Ici on a l'espace four, micro-ondes, grille-pain, on a le frigo avec du coup, alors oui, pour l'anecdote, j'ai fait croire à Greg qu'on allait manger au McDo ce soir. T'y as cru, hein? Franchement, t'y as cru. T'as même eu peur parce que comme c'est De ferme qu'on a passé et de champ qu'on a passé, je suis pas retrouvé un McDo. Il n'y aura pas de McDo par ici. Et je lui faisais peur dans la voiture, je lui disais il faudra se trouver un McDo pour ce soir, il n'y a rien à manger. Mais en fait, si. En gros, donc j'ai choisi son menu, un repas traiteur, donc tout est dans le frigo. Donc je pense que je me suis pas trompée, hein. Je lui ai pris boucher à la reine. C'est quoi? Je t'ai dit quoi après? Blanc de poulet, maroilles bacon. Non, cheddar bacon. Moi j'ai pris du maroilles, je crois. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut. On a le frigo, la machine à café. Il y a voilà, la vaisselle, le four. Toi t'es déjà installé, tranquille, hein? Donc four, micro-ondes. Du coup là, ils nous ont laissé le sapin de Noël. C'est trop trop beau. Franchement, c'est encore mieux d'être là à cette période de Noël parce que c'est magnifique. Alors ensuite, là, juste ici, je voulais juste vous montrer l'espace massage qu'on aurait dû avoir, mais monsieur n'a pas voulu. Il n'a jamais fait de massage en fait et c'est pas son truc. Donc ça devait être une surprise. On avait un massage en duo de prévu dans cet espace là. Mais du coup, bah, on a dû refuser le massage. Donc bon, après, je suis pas forcément fort massage. Bah non, parce que justement, ça fait 6 ans et demi qu'on est à deux et on n'a jamais fait de massage. Donc je savais pas que t'aimais pas. On n'a jamais eu l'occasion d'en faire. Mais tu m'as jamais dit j'aime pas les massages.
Franchement, non, je savais pas. Tu m'en fais jamais déjà. Bah non, je t'en fais jamais, moi. C'est aux garçons de faire aux filles, non? Donc voilà, l'espace. Tu peux t'allumer peut-être? Ah bah oui, je vais allumer comme ça, je peux montrer. Donc là, voilà, ça c'était l'espace massage. En plus, c'est bien chauffé, hein. Franchement, il fait hyper bon. Parce que franchement, j'ai déjà fait un massage dans une pièce où il faisait froid, c'est pas le top. Mais là, c'est hyper chaleureux, il y a des bougies comme ça. Donc elle nous a expliqué que les bougies marchent avec des télécommandes, voilà, comme ça il n'y a pas de risque d'incident. Voilà, la petite musique, la pièce, franchement, j'aime trop avec le bois, etc. Il y a des bougies partout. Waouh! Donc voilà, tant pis, pas de massage. Mais je vais négocier, tu m'en feras un soir. Ah ah! Toi, tu me feras un massage. Donc, je vais vous montrer du coup la pièce principale. Là, on peut rentrer ici. On a l'espace sapin, petit salon. Oh, j'aime trop, j'aime tout. J'aime vraiment tout, quoi. Ça donne envie de refaire la maison. Donc, alors, ce que j'ai vraiment apprécié aussi, c'est que pour le massage, on pouvait choisir les huiles, en fait. Là, on a un petit plateau avec toutes les odeurs des huiles. Comme ça, on peut choisir. Et pareil, le massage que j'avais eu, quand je vous ai dit la pièce pas très chauffée, pareil, elle m'avait vraiment pas fait choisir. Donc là, je trouve que c'est hyper pro de faire choisir l'odeur. Parce que quand on retombe sur une odeur qu'on n'aime pas, c'est pas cool. Donc là, on a santal ambré. Figuier, tiare, ça sent le monoï, c'est juste trop bon. Mangue, miel calisson et coco. Je pense que si j'avais dû choisir, j'aurais sûrement pris tiare. Et toi, t'aurais pris quoi à choisir? Monoï aussi? Ah bah du coup, peux, pour changer... Tu peux prendre ça ce soir pour le... Bah non, c'est juste un coton imbibé, il n'y a pas l'huile dedans. Haha. Alors ça, j'adore aussi. En fait, c'est ça qui fait que c'est bien chaud. Ah bah touche pas. Non. Bah non, c'est électrique. Attends. Oh lolo. Je crois que déjà que tu t'étais brûlé. J'allais dire, est-ce qu'il y a une armoire à pharmacie? C'est magnifique. Ça j'aimerais bien à la maison. Oh, c'est vraiment beau. Donc voilà, ici on a le code Wi-Fi aussi pour être connecté en Wi-Fi. Les petites coupes de champagne avec le champagne qui est dans le frigo, la petite rose. Alors ici, ils nous ont expliqué qu'ils ont laissé des petites étiquettes un peu partout. Parce que ils ont une petite boutique à l'accueil et ils vendent du coup ils vendent pas mal de déco, etc. Voilà, une boutique de déco. Il y a aussi des j'ai vu des produits, notamment la marque Avril qui est bio et que j'adore. Donc voilà, ils vendent pas mal de produits comme ça. Donc là on peut retrouver, j'ai vu aussi par exemple qu'il y avait le porte-manteau. Bon, moi j'ai déjà mis mon manteau, hein. Le porte-manteau, voilà, si vous plaît, ben, vous pouvez le retrouver. Il y a le prix avec l'étiquette, vous pouvez le retrouver. Donc, là j'étais en train de vous montrer la chambre qui est juste chaleureuse, comme j'aime trop vraiment. Donc là, le lit a l'air hyper grand. C'est trop bien avec la... Oh, c'est trop beau. J'arrête pas de dire que c'est trop beau, mais c'est vraiment trop beau. Là, on a une armoire. Et alors, attendez, le clou du spectacle. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré. La baignoire en plein milieu, comme ça, dans une chambre. À la base... Quand on l'a fait bâtir, c'est vrai qu'on y avait pensé. Et finalement, on a abandonné l'idée parce que la chambre n'était pas assez grande. Mais c'est canon, ça rend trop bien. La chambre n'est pas assez grande, on a une chambre de 21 mètres. Bah oui, mais avec le dressing, etc. Vas-y, t'aurais mis ça où? Ah. Donc, en plus, les carreaux de ciment, j'aime trop. C'est vraiment la déco parfaite. Alors pareil, je ne savais pas s'il fallait prendre tout ce qui était serviettes, produits, etc. Mais en fait, tout est là, donc... voilà, j'avais pas à prévoir. On a tout ce qu'il faut, les peignoirs, les serviettes. On a même des petits produits de la marque Sotis. Voilà, franchement, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Alors, ensuite, j'ai pas fini le room tour. Le room tour, c'est ici, en fait. Ils sont en train de préparer l'espace. C'est un espace avec jacuzzi, etc. Oh là là, j'ai trop hâte de voir ça. Donc ils vont nous prévenir dès que ce sera prêt. Et en fait tout cet espace, cuisine, chambre, espace jacuzzi, ben, on a tout ça pour nous tout seuls jusque demain. Donc voilà, c'est juste canon. On va profiter. Demain on va même pouvoir faire une grasse mat sans bébé. C'est trop cool. Bon, ça y est, l'espace nous a été ouvert. Donc jusqu'à demain. Et c'est juste un truc de malade. Tu viens avec moi? C'est tellement grand, j'ose même pas y aller toute seule. C'est trop grand. Ah non, mange pas sans moi. Oui, ça y est, il est déjà dans le frigo.
Non, allez, viens, on va faire visiter. Il y avait du pain, lui. Allez, viens, on va faire visiter. Franchement, c'est un truc de malade. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi grand. Il y a tout à disposition. Donc là, à côté du lit, on a la porte qui vient de s'ouvrir. Et on a tout cet espace encore pour nous. En gros, voilà, il y a 130 mètres carrés. Mais non, arrête de faire le con. Bon, alors là, c'est l'espace toilette. Franchement, mais même les toilettes, ils sont immenses, quoi. J'ai jamais vu des toilettes aussi grandes. Et tout est très propre. Tout est... Enfin, voilà, il y a de la déco magnifique partout. Des pétales de rose partout. Donc là, on arrive dans les spas. Spa, voilà. Donc, on a les petits transats. Franchement, mais ils ont vraiment pensé à tout. En face, juste à côté des transats. C'est aussi bon chez vous, en fait. En fait, ouais. Même notre maison, elle fait 110 mètres carrés, non 120. Ouais. Et là, on a 130. C'est encore plus grand que notre maison. Donc là on a l'espace, voilà, petit tanka, la Dolce Gusto, etc. Des bouteilles d'eau, des capsules. Et là, tadam, on a un énorme spa. C'est à quoi, 6 places, 8 places? 6. 6. Oh, c'est énorme. Donc voilà, on a le marchepied, etc. Et une place à manger, 4 places, 5 places. C'est immense. Donc juste à côté du spa ici on a la douche. Donc douche italienne, hein. Voilà. Et ensuite en face, en fait, là c'est juste en face du spa, on a deux cabines avec le petit... Encore des peignoirs, punaise. Donc encore des peignoirs, des tongs. On a chacun nos tongs, chacun chacun un peignoir. Enfin franchement, on pense à tout, quoi. C'est... Donc ce n'est pas fini. Quand je vous dis que c'est immense, qu'est-ce que tu regardes? C'est de la déco tout ça? Alors, c'est pas fini. Ici, donc, c'est l'espace spa, jacuzzi. On continue. Et alors, on a un petit sas. Franchement, hop là, avec petit miroir, petit porte-manteau. Là, c'est pour gérer à côté. Vous allez voir, il y a hammam. Et sauna, on a les deux. Ici on a une coiffeuse avec donc là on a des petits produits pour se faire gommage, etc. Enfin je crois que c'est un gommage ou un... Ouais, gommage corps, génial. En plus j'en ai pas pris. Et on continue dans la salle du fond qui est hammam et spa. Voilà, on a les deux. Donc, on a tout pour nous en fait jusque demain. C'est dingue. Et là le spa, moi je suis plus spa que hammam. Hammam c'est fort, c'est humide. J'ai du mal, j'arrive pas à respirer dedans. Spa ça va. Donc là pareil, le spa on le règle à la température qu'on veut. Et en face on a encore un petit salon à dispo. Avec la cheminée, j'adore ces genres de cheminées comme ça. Les bougies toujours avec télécommande. Oh là 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 là. Magnifique. Moi je mangerais bien là, non? Franchement, je suis vraiment choquée que ça ne soit pas plus connu que ça. Parce que j'en ai jamais entendu parler. Pourtant, c'est à même pas une heure de chez nous. C'est immense. C'est le cadeau idéal si vous cherchez un cadeau original, etc. Enfin, franchement, c'est énorme. J'ai déjà fait donc une nuit comme ça dans une chambre avec jacuzzi, mais vraiment uniquement la chambre, le lit, le jacuzzi en fait. C'était déjà hyper bien, mais là. Il n'y a pas plus grand. Et je me dis que c'est même encore plus grand que chez nous. Parce que notre maison, elle fait 110-120 mètres carrés. Et là, ici, il y a 130 mètres carrés, quoi. Donc voilà, on a tout cet espace pour nous. Et je fais même pitié, vous allez rire, mais je savais pas du tout à quoi m'attendre. J'avais même pris une bouteille d'eau au cas où, etc. Mais en fait, il y a tout dans le frigo. Il y a même du champagne, il y a de l'eau, il y a du coca, de l'oasis. Franchement, tout est prévu, quoi. Donc voilà, je fais pitié avec ma petite bouteille d'eau et mes donuts. Voilà, c'est ça les photos Instagram. On en vient au plat qui va refroidir, ça fait un quart d'heure qu'il est sur la table pour faire une photo. Ça y est, j'ai ma photo. Elle est trop belle. Oh, allez. Thank you.
Le sauna, ouais. Bah ouais, tu m'as dit en erreur. Il est 1h15. Il est 1h15 et tu veux faire un sauna. Faut tout tester. Et après, il y a le hammam. Bon bah j'ai définitivement perdu la grosse. Elle dort, elle est KO. Et devinez qu'est-ce qui l'a fait endormir comme ça. C'est quoi? C'est ça. La fausse cheminée. Je regarde ça et je me sens endormie. Bravo. Bon moi je vais faire le hammam, tu viens? Non. Sûr? Ouais. Bon. Bon. Bah c'est parti, je vais tester ça tout seul. Parce qu'elle m'a lâché. Bon, ça y est, alors nous venons de nous réveiller et on nous a déposé un panier avec le petit-déj. Waouh! Alors on se réveille avec ça dans la cuisine et c'est trop mignon quoi! Oh, Greg, il n'en peut plus, il a faim! Il veut tout dégommer! J'ai hâte, franchement, c'est vraiment trop chou! Petit-déj! On est servi. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu de beau dans le panier? Plein de viennoiseries. De beau et de bon. Des confitures, une baguette, jus d'orange. Et là pour l'instant il n'y a rien dans la tasse parce qu'on a fait une photo. Une photo. C'est pour les coulisses des photos. Voilà. Trop fort. C'est vraiment trop beau. Bon, ça y est, il est temps de quitter la chambre. Franchement, on n'a pas envie de partir quand c'est comme ça. C'est un truc de fou. C'est tellement spacieux, tellement beau. Voilà, mais on a passé une superbe fin de soirée, nuit, et c'est vraiment le cadeau idéal. T'es prêt? Non mais honnêtement, c'est vraiment, si vous habitez dans le coin, vous n'êtes pas trop loin, c'est vraiment un cadeau idéal pour son chéri ou sa chérie, hein, s'il y a des hommes qui passent par là au cas où. Voilà, donc je vous mets le lien dans la barre d'infos. Ils ont un Facebook, un site, bien sûr, etc. Donc, je vous mets tout ça, tous les coordonnées, si vous voulez, dans la barre d'infos. Donc, avant de partir, je vais leur signer leur petit livre d'or aussi. Je vais mettre un petit mot. Si je trouve un stylo dans mon sac, c'est bon. Voilà, un stylo de Strasbourg. Hop, comme ça, je vais leur écrire un petit mot de remerciement. C'était top. Bon allez, il est l'heure de partir. J'espère qu'on n'a rien oublié. Je ne pense pas. C'est bon? Vérifie, mais c'est vrai qu'on a quand même une heure de route, donc si on oublie un truc, ce serait con. On va y retrouver Gabinou, voilà, c'est ma motivation. Parce que là... C'est horrible de partir. Alors ça y est, c'est le moment de partir. Du coup, je peux vous montrer de où on est arrivé hier. C'est pour ça qu'on a eu peur. On s'est dit, on trouvait pas où c'était.
c'est vraiment... mais c'est dépaysant, quoi. Voilà. Et l'institut est juste là, à côté. Là, vous avez le petit parking. Et donc là, de l'autre côté, là, c'est la... Voilà, on... c'est là-dedans, en fait, que... Il y a les... Donc là, en fait, hier soir, c'est vrai qu'on voyait pas bien parce qu'on arrivait, il faisait tout noir, mais c'est bien écrit en grand, Sensorilel. Voilà, ça c'est le nom de l'institut. Et là, voilà, l'entrée est sur le côté. Voilà, Greg vous fait une petite marche arrière. Une petite marche arrière. Voilà, on a l'entrée ici. Donc du coup, eh bien, on clôture ce vlog ici sur ces belles images. C'était vraiment bien. T'étais content ? C'était vraiment cool, franchement. J'y retourne quand ? J'allais le dire, on va y retourner, c'est obligé parce qu'on a trop aimé, quoi. Donc, si un jour tu sais pas quoi m'offrir pour Noël, anniversaire, voilà. Je te relance le. Non, c'était vraiment bien. Je te relance l'idée. Donc, eh bien, on va clôturer ce vlog ici et puis ben, je vais réouvrir un autre. Et ton massage d'une heure, on en reparle ? J'ai eu le droit à mon massage, c'est vrai. Ouais, vu qu'il a pas voulu en faire. On n'a pas eu de massage en duo, donc du coup il m'en a fait un. Franchement. C'était un massage en solo. En solo. Voilà, c'était très bien. Alors on a une surprise pour vous. On est super contents. Hein, parce que on a la chance de pouvoir vous faire gagner à l'une d'entre vous, voilà, un couple, une nuit sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller nous suivre, nos deux comptes Instagram. Et en fait, voilà, on lance. Oui, voilà, on va lancer le concours sur Instagram avec une nuit à gagner, donc trop cool. Si vous habitez pas loin ou autre, voilà, n'hésitez pas à venir participer.